Repos et reste. Repos. Le terme repos désigne le fait de se reposer, de se détendre ou de ne pas travailler. Cela peut être physiquement en restant allongé ou immobile, ou mentalement en prenant du temps pour soi pour se relaxer. Exemple. Après une longue journée de travail, j'aime prendre du repos en m'allongeant sur mon canapé et en lisant un livre. Pendant les vacances, je prévois toujours une journée de repos où je ne fais absolument rien, juste pour me ressourcer. Reste, le terme reste, peut avoir plusieurs significations, mais dans ce contexte, il se réfère aux choses qui restent après avoir utilisé ou consommé une partie. Il indique aussi ce qui est en excès ou ce qui n'a pas été pris ou utilisé. Exemple, après avoir mangé une part de gâteau, il me reste une autre part que je peux déguster plus tard. J'ai acheté une boîte de crayons, mais il me reste encore quelques-uns que je peux utiliser à l'avenir. La principale différence entre repos et reste réside dans leur signification. Repos se réfère à l'action de se détendre et de ne pas travailler, tandis que reste fait référence à ce qui reste après avoir utilisé une partie. Ils sont donc utilisés dans des contextes différents et peuvent avoir des implications différentes.